aircraft or even for electric mobility, they involve the use of a lot of helix propellers, and that means a lot of noise. So in terms of use in aircraft interiors, there is a lot of resurgence interest for using flux biomass composites. So there are two main interests at the moment that are going on in the field. So not only checking and performance against your relative humidity, because obviously also relative humidity, even if it is very, very much controlled inside cabin, so really there are some variation, and most importantly, fire retardants. But the, in terms really of actuation for soft robotics or other types of on the field type of really of actuators or meta surfaces. To be used for facades, like the one that I have shown in wood, there is a lot of interest also because there is a, there is more and more interest also in the civil construction industry, at least between the UK and to say also in the US and France, about also using some natural fiber in secondary panels and so forth. So this is a little bit of the context. But long fibers are the ones that we use as a choice. Est-ce qu'il y a une autre question avant de clôturer? Ouais. Donc, merci monsieur pour son présentation. Donc, j'ai une question. Comment vous arrivez d'élaborer ce matériau composite par différentes directions, 0 et 90, est-ce que votre élaboration donc, des PLA avec le flask, est-ce que était simultanément ou non? Et merci. Excusez-moi, si j'ai bien compris, la question était à propos de l'utilisation du PLA. Yes. L'utilisation du PLA avec le flask, est-ce que l'extrusion par l'impression 4D, est-ce que se fait par simultanément ou non, en même temps, ou bien séparément, ou aussi donc comment vous arrivez à arriver des couches avec des orientations dans le sens 0 et dans le sens 90, c'est-à-dire mat. Alors. Encore une fois, excusez-moi, si j'ai bien compris la question, parce que je reprends la question, Fabrizio. C'est-à-dire, lui, il demande comment que vous arrivez à faire l'empilement, par exemple, 0,90, donc un stratifié croisé, 0,90, comment que vous le faites. Et, ça, il disait, est-ce que par injection, ou, ben, je dis, non, c'est pas, ou extrusion. Je dis, c'est plutôt par imprimante 4D. Donc, il faudrait avoir un peu plus d'explications par rapport à la réalisation du stratifié croisé par l'impression 4D. Voilà. Alors, l'impression 3D, slash 4D, on utilise des filaments qui ont déjà, disons, la fibre, ben le yarn, la twisted yarn, de lin. Et ils ont la couche de PLA. Et ces filaments sont produits à travers un procès d'extrusion. Et on a une imprimerie particulière qui permet effectivement de faire passer, disons, le filament, le déposer et aussi de le couper. Parce qu'on coupe. Mais on ne peut pas couper toutes les fois. Alors, à 0 et 80, on fait la déposition et je cherche à montrer encore une fois le.
Ça, ce sont des exemples de dépositions qu'on fait à plus ou moins 45 pour le cisaillement. Mais pour le 0,90, on fait une chose similaire. Et alors, on dépose dans une direction, disons le 0, une axiale, et le 0, à la fin, on courbe comme ça. Des endroits, et après le final, on coupe. Pour le 90, une chose similaire, vous voyez que c'est comme, disons, le 45, mais voilà, à 90, et à la fin, on coupe. Alors ça, c'est pour la 4D. Pour ce type de composite, on prend pratiquement les fibres en uniaxiale, on fait l'effusion avec la matrice, on fait l'équivalent, disons, de laminé. Alors, on fait un laminé on a toute une série de laminés, disons, unidirectionnels, et après on fait l'empilement et on fait le Q en autoclave. Si on utilise du polypropylène, ce qu'on fait, en général, on met, disons, les fibres déjà en second sequence. Et sur les fibres, on met des pellets, un polypropylène et on fait l'autre presse. Il y a aussi disponible en commerce, si on n'utilise pas les fibres naturelles, mais du carbone et du polyamide PSX, Toré vend directement, disons, des prépregues unidirectionnelles en zéro et PSX avec une fraction glumique sur le 43-44%. Et on peut faire l'empilement de la pression. Donc je pense qu'on on remercie encore une fois professeur Fabrizio, qu'on l'applaudit encore une fois. Merci beaucoup Fabrizio, c'est très gentil et c'est très intéressant. Donc voilà, j'espère que la prochaine fois vous serez parmi nous. Voilà, donc Fabrizio, donc il est venu à Guelma en 2008, c'est ça? 2011. 2011, pardon, oui. C'était dans l'habilitation de Arcati. Oui, voilà. Donc Arcati, donc il a fait, il a soutenu en 2008 et il a fait l'habilitation en 2011, effectivement, 2011. Donc, bon, en espérant vous voir encore une fois ici, parce que quand même de 2011 à 2024, ça a quand même drôlement changé. On vous remercie beaucoup. Merci. 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 Au plaisir de te revoir encore une fois. Merci, Omar. Merci. Merci, merci, merci. Donc, pour l'assistance, on va faire une photo dans les escaliers et après, donc, le manger. Voilà. Merci beaucoup. La photo.